J'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi 6 mars 2023. Il est 8h05. Les garçons sont partis il y a une demi-heure à peu près. Là, il est en train de pleuvoir. Alors que moi, j'avais envie de faire la lessive. En fait, je ne peux pas faire la lessive quand il pleut parce que je sèche mes habits à l'extérieur. Et voilà. Sincèrement, je pense vraiment à m'acheter un séchoir. Un séchoir que je peux déplacer. Je cherchais le mot. Bref, un séchoir que je peux déplacer, quoi. Parce que là, ben, je suis obligée d'attendre que la pluie prenne fin pour pouvoir faire ma lessive. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du montage à faire. Heureusement, hier soir, je me suis dit, ok, je m'occupe pas de ma fatigue parce que hier, j'étais vraiment aussi fatiguée. Hier, quand nous sommes rentrés de l'église, je me suis endormie. Et c'est mon mari qui a préparé la salade. Je me suis réveillée juste pour endormir. Je me suis reposée, quoi. Je me suis allongée. Je ne me suis pas vraiment endormie. Je sais pas, maintenant je n'arrive plus à dormir la journée. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je me suis reposée, mais il fallait que je me lève parce qu'il fallait faire à manger. Donc j'ai fait à manger. Mon mari peut réchauffer la nourriture. Quand la nourriture est déjà prête, il peut réchauffer, il peut faire cuire, comment ça s'appelle? Il peut frire la banane, pour ça il n'y a pas de souci. Il peut s'occuper de l'enfant, il n'y a pas de souci. Et quand il s'agit par exemple de couper de la viande, de couper du poulet, bref, là là là. Il est aux abonnés absents, mais bref, je suis déjà reconnaissante pour lui, quoi, parce qu'il fait beaucoup de choses. Il s'occupe de l'extérieur, c'est lui qui nettoie l'extérieur, c'est lui, il passe l'aspirateur, il fait tout ce qu'une femme peut faire. Il s'occupe très bien de Ruben, c'est-à-dire je peux voyager, je sais que Ruben sera en de bonnes mains, il va bien s'en occuper, quoi. Par exemple, Ruben, quand il était bébé, lui, il avait plus de facilité de changer ses couches, même les couches de caca que moi. Je me rappelle un jour, Ruben a fait caca sur moi. Il était encore bébé, quoi. Bon, il avait sa couche, mais en faisant caca, c'était. Pourquoi je suis en train de parler de ça vraiment de bon matin comme ça? Bref, ça avait coulé. Et là, c'est lui qui m'appelle. Attendez. Bon, je suis en train de transpirer de bon matin comme ça. Ah, oh, Seigneur. Pourtant, il pleut, mais il fait chaud. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Je n'en sais rien. Bref, donc hier la journée, j'ai quand même fait à manger malgré moi, malgré la fatigue que j'avais. Et après, je me suis dit que je passe à Serpia pour qu'aujourd'hui je sois un peu plus libre, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai la lessive à faire, j'ai les déjeuners à préparer. Bon, à préparer, juste faire un petit meal prep des déjeuners. Là, comme tu l'as vu, je pense que je te l'ai mis avant. J'ai fait des oignons. J'ai caramélisé des oignons, j'ai coupé les poivrons, quoi d'autre encore? Les pâtes, je les ai préparées très tôt ce matin, donc il y a une partie au frigo. J'ai grillé les arachides, donc il me reste plus que les carottes et le chou. Le chou, je vais juste le couper, les carottes aussi, je pense. Je ne sais pas si je vais râper une partie, bref, je vais voir. Et après, je dois ranger le salon parce que Monsieur Ruben, bref. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, il est allé à l'école et quand il va à l'école. Non, je me repose quoi. Une semaine avec lui. Vous allez me dire une semaine, mais pendant les grandes vacances, comment tu vas faire? Bah, on fait avec, mais sinon c'est pas évident. J'espère en tout cas que tu as eu un bon week-end. J'espère que tout s'est bien passé pour toi et que le mois de mars a bien commencé pour toi. J'entends l'intensité de la pluie. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Bref, je te retrouve tout à l'heure. Je prends mon thé et je vais aller faire du montage. Oh, je te reprends beaucoup plus tard. Il doit être 14h bientôt, 13h58. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné une suite de vidéos. J'ai fait le montage de la vidéo du vlog que vous avez vu précédemment. Là, j'ai un petit creux. Ce matin, en fait, j'ai mangé. Ce matin, j'avais fait hier soir. Je ferme d'abord le frigo. Hier soir, j'avais fait les flocons d'avoine qu'on met dans du yaourt ou du lait, que tu laisses toute la nuit s'imprégner du lait ou du yaourt. Donc, moi, je l'avais fait hier nuit. Je voulais tester pour voir quel goût ça a, parce que moi, j'ai juste l'habitude de les préparer
de les faire bouillir, quoi, de les faire cuire. Donc là, j'ai testé de l'astuce toute la nuit. J'ai pas trouvé ça extra. Après, j'ai mis les cerises que je t'avais montrées dans le retour de course que ma belle-mère m'avait donné. Et j'ai mis les cerises, j'ai mis des cacahuètes aussi que je t'avais montrées dans le retour de course. Donc j'ai grillé, j'ai mis les cacahuètes et puis voilà. J'ai mis un peu de miel aussi. J'ai pas trouvé ça extra. Je préfère quand je cuis mes trucs. Bon, là j'ai faim. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger en fait. Je sais que j'ai sorti du pain, oui, j'ai sorti du pain. J'avais envie de faire des cornflakes, des pancakes. J'ai sorti du pain, j'ai de l'avocat. Ah, et j'ai pas encore fait les carottes, des carottes et le chou. Oh, I'm tired. Je pense que je vais me faire une petite salade d'avocat. Je vais me faire une petite salade d'avocat. Oui, c'est bon. On part pour une salade d'avocat. Une salade d'avocat. Salade d'avocat. Voilà. Finalement, j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai frit la banane, un safou. Ça, c'est le reste de viande qu'on a mangé samedi. Et ça, ce sont des oignons que j'ai frits ce matin, en fait, au miel. Voilà. Bon appétit. Ce matin, il y a coupure d'électricité ici chez nous. Je ne sais pas pourquoi. À 6h, il y a eu une coupure d'électricité. Je demande juste donc, ce que j'ai préparé pour mon mari. Donc, j'ai râpé les carottes, plus le chou que j'avais coupé hier, pâte, un œuf dur. Et là, j'ai les oignons caramélisés au miel, poivron et tomate. Plus son jus de bissap. Et voilà, c'est tout. Et pour mon fils, ça sera un œuf dur. Des pâtes et comme légumes j'ai mis un peu de tomates et pour mon fils ça c'est en dehors du pain au jambon que j'ai mis aussi des biscuits parce que il mange comme un grand quoi. Voilà bon qu'est-ce que je vais faire, je dois aller l'habiller, je suis fatiguée ce matin, je transpire déjà, bref je vais l'habiller et puis voilà. Il est 15h45 et c'est maintenant que je te reprends. J'ai fait la lessive, j'ai rangé la maison et après je me suis sentie très mal. Je pense que c'est un début de grippe. Je pense que soit Ruben m'a refilé la grippe, soit je sais pas, la poussière, le chaud et le froid en fait comme il fait très chaud chez nous en ce moment. Donc je prends souvent de l'eau pas trop glacée et je me mets souvent devant le ventilo. Donc je pense que ça fait que qu'il y a ce changement de température brusque, chaud froid fait que je puisse être grippée quoi. Donc j'ai été obligée de prendre du Doliprane, je me suis endormie, ça m'a fait du bien de dormir et après j'ai causé au moins pendant 2 heures avec ma mère et ma soeur en visio, on aime trop ça. Et donc là je vais aller je vais assaisonner le poisson. Je vais faire la cuisine. Aujourd'hui, je vais cuisiner du poisson. Je vais frire du poisson. Et puis, je vais faire revenir des oignons, carottes et choux. Je pense que ça sera bon. Le poivron, peut-être. I don't know. On va voir. Bref, donc on va déjà assaisonner le poisson. Et puis, voilà quoi.
Bon, voici mon repas de 16h. Il est 16h30. Ce sont des flocons d'avoine que j'ai fait cuire. J'ai mis des cacahuètes et j'ai mis quelques pétales de maïs. Bon, ça, ce sont les deux épinards que j'ai pris tout à l'heure. Bref, j'ai mangé ça. C'est ce que j'ai mangé aussi ce matin. Bref, donc je te retrouve tout à l'heure. J'espère que vous. Qu'est-ce qu'il y a? Continue à bouder. J'espère que vous allez bien. Ah, moi, je vais bien. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Nous sommes mercredi 8 mars, journée internationale de la femme, des droits de la femme. Journée internationale des droits de la femme et nos fêtes de la femme, comme les gens nous pensent ici. Parce que vous avez entendu la voix de Ruben. Oui, Ruben est à la maison parce qu'aujourd'hui, ben, il devait terminer à midi. Et non, je me suis dit, non, j'ai pas la force d'aller le récupérer à midi. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai dit à son père, il n'a qu'à rester à la maison puisque les femmes, apparemment, iront, je sais pas si fêter, si, bref. En tout cas, ici au Congo, le 8 mars, les femmes portent un pagne du 8 mars. Oui, il y a un pagne du 8 mars parce que le ministère de la femme, je pense, les droits de la femme, vend un pagne. Et les femmes portent ces pannes. La majorité de femmes, je dis pas toutes. Ruben, tu arrêtes de bouder, s'il te plaît. Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Merci. Donc, on dit je veux le yaourt, c'est pas ton yaourt. Est-ce que c'est toi qui achètes le yaourt? Merci. Donc tu dis je veux, s'il te plaît, maman, tu peux me donner le yaourt avec les cornflakes? C'est ce qu'on dit, d'accord? Ok, merci. Maman est en train de parler. Donc, tout à l'heure, d'accord? Si tu pleures, je ne te donne plus le yaourt. Si tu pleures, je ne te donne plus le yaourt. Si tu pleures et que tu vas dans la chambre parce que tu es fâchée, je ne vais plus te donner le yaourt. D'accord, ok, continue à pleurer. Bref, on vient aujourd'hui est grincheux. Donc, je disais, le 8 mars ici chez nous, les femmes, pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes, la majorité des entreprises, les femmes vont terminer plus tôt, les femmes vont porter, vont s'habiller en pagne, si ce n'est pas le pagne du 8 mars, elles vont s'habiller quand même en pagne, et elles vont aller au resto, on va leur donner des cadeaux, c'est ça la journée internationale de la femme. Bref, chacun fait comme il veut. Je voulais juste te montrer ce que je vais manger, c'est ce que j'ai mangé hier, quoi. Les cornflakes, non, la base sont des flocons d'avoine et ensuite j'ai mis un peu de cornflakes pour donner un peu de croustillant. J'ai mis aussi des cacahuètes, voilà, j'aime trop. Et aujourd'hui, je vais prendre aussi les cerises que ma belle-mère m'avait données dernièrement. Voilà, donc moi je mange et puis si Robin revient de son boudage, ben, il aura son yaourt et son cornflakes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vendredi. Non, nous sommes jeudi 9 mars. Avant-hier, hier, je ne vous ai pas trop pris. Je vous prenais pour vous dire que j'étais en train de faire la cuisine, mais après, je ne vous ai pas repris. Bah, parce qu'après, ça n'allait pas trop bien. Là, ce matin, je viens de prendre le médicament. J'ai l'impression que j'ai la grippe, on dirait tous les mois, quoi. Je sais pas. En fait, Ruben est grippé. Et dès que Ruben est grippé, ben, moi aussi, je suis grippée. Je pense qu'il me contamine. Il aime trop venir me parler au niveau de mon visage. Quand il éternue, parfois, il éternue au niveau de mon visage. Bref, ce matin, je me suis dit, tu te maquilles quand même parce que j'ai une vidéo à tourner puisque le week-end arrive et que le week-end, j'ai pas souvent le temps de tourner. Demain, c'est déjà vendredi. Je dois aller le chercher à midi, donc je n'aurai pas le temps de tourner. Je préfère tourner. J'allais tourner deux vidéos, mais laisse tomber, quoi. Donc, je vais en tourner une et faire du montage, m'atteler à faire du montage. J'espère pouvoir faire au moins deux montages. Depuis 2 jours, les montages sont compliqués. En fait, mon corps est vraiment souffrant. Hier, j'ai pris du Doliprane. Depuis avant-hier, je prends du Doliprane. Avant-hier, ça marchait bien. Hier, ça n'a pas marché. Donc, le soir, j'étais obligée de prendre ce produit-là, Rhinomycine. Ce matin, j'ai pris aussi ce produit, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas trop. C'est un peu trop blanc, là. Bref. Donc, tout à l'heure, je devais aller travailler au niveau du potager, mais avec
Il fait déjà chaud, il y a le soleil. Bref, je vais essayer de me ménager un peu. Je vais manger parce que ce matin, j'ai pas vraiment mangé. J'ai mangé quelques cacahuètes pour prendre, pris du chocolat pour prendre des médicaments. Là, je vais manger le riz que j'ai fait hier. Hier, j'ai fait un super riz que les garçons ont vraiment aimé, surtout le grand garçon, quoi. Voilà, ce riz avec des restes. J'avais des restes de légumes, carottes, choux, oignons qu'on avait mangé hier, qu'on avait mangé avant-hier avec du poisson. Donc, comme il n'y avait plus de bananes, j'ai fait ça. J'ai fait ça. En fait, je suis en train de me dire, au lieu que je mange ce riz, mon mari a vraiment aimé ce riz. Il pourra venir. Je réfléchis en même temps. Je fais grave, oui, je sais. Non, j'ai envie de manger du riz là. Je vais manger le riz et puis c'est facile à faire. Je vais préparer un entrée ce soir pour les garçons. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je n'en sais rien. Écoutez, je vais manger comme ça. Je vais essayer de tourner la vidéo que je dois tourner et ensuite aller faire du montage et me reposer si possible. C'est vraiment ça. Je te retrouve certainement tout à l'heure. Vraiment, ce vlog est décousu. Est-ce que je vais te retrouver tout à l'heure? Je pense pas. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense pas te retrouver tout à l'heure. Ça a été vraiment un vlog décousu, hein, parce que je n'ai rien fait de particulier, parce que je me sentais pas bien aussi. Bref, je te reprends, je pense, samedi dans un nouveau vlog. Et moi, je vais essayer de faire du montage, du montage, du montage. Et j'ai des vidéos TikTok aussi à tourner. Bref, des shorts à tourner, des réels à tourner. Beaucoup de travail en perspective. Bref, j'espère que ce vlog t'a quand même plu. N'hésite pas à faire tous les trucs YouTube pour me motiver. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Et avant de terminer, je pense aussi que la prise de sang a déclenché tout ça. Ça m'a tellement affaibli que, ouais, je pense que la prise de sang m'a affaibli et après mon corps a été. Bref, quoi, tu as compris. Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et enjoy your life. Prends soin de toi et de ta famille. Bye bye.